Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 24ème épisode de notre Let's Play sur le mode légende d'Hyrule Warriors Definitive Edition sur Switch. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve où je vous avais quitté la dernière fois, on est encore une fois au choix du scénario comme au début de chaque épisode. Et on avait engrangé une nouvelle victoire éclair, un nouveau record de durée courte d'épisode dans la plaine d'Hyrule avec Ganondorf. Alors on a accès à ce qui a l'air d'être l'ultime chapitre du scénario, mais vous savez que j'ai envie de faire toutes les batailles secondaires, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le Maître des Cieux en tant que Sia. Avant de commencer, je rappelle que vous pouvez m'essayer éventuellement mon épique et fail que vous verrez au cours de cet épisode, et sans plus tarder, partons à nouveau vers Célestbourg en tant que Sia. Donc, on peut jouer Icero, Sia ou Volga, mais je vais bien sûr y aller avec cette chère Sia, parce qu'elle est recommandée accessoirement. Alors, voyons un peu ce qui se passe. Une aura aussi puissante que mystérieuse avait retenu l'attention de Sia au travers de la porte du monde de Célestbourg. Quand elle atteignit l'île, elle s'aperçut que les humains de cette terre combattaient déjà d'autres monstres. Elle s'interrogea. Qui commandait ces derniers? Moi je sais! Les habitants de Célestbourg étaient désavantagés. La bataille semblait sans espoir. Fai, servante de la déesse, combattait aux côtés des humains, mais les monstres ne cessaient de gagner du terrain. Célestbourg allait connaître un destin funeste. Sia n'avait que faire du sort de ses humains. Mais elle avait une idée derrière la tête. L'être qui avait invoqué ces monstres était sans aucun doute très puissant. Mais si elle voulait le soumettre à sa volonté, elle devrait d'abord le vaincre. Elle hésita donc de s'allier aux humains pour défendre Célestbourg et attendit une occasion d'affaiblir cet être démoniaque pour le recruter dans son armée. C'est malin ça comme plan, dis donc. Ok, donc on part cette fois-ci du nord-ouest de Célestbourg. Oui, il y a plusieurs armées. Donc nous on a juste Sia, Volga et Icero. Donc on a l'armée de Jiraim qui a un banni et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 maîtres Stalfos, et à côté on a l'armée de Célestbourg, Fai plus 4 capitaines de la zone. On a Bastière, celle de Fai plus Forest, Dubourg et Fort de la Statue. Et ensuite on a École de Chevalerie, Forest, Dubourg, Hauteur des Ruines, Ruines Sud du Rocher. Et nous on a les Ruines Nord du Rocher et la Fontaine de la Déesse, c'est neutre. Donc quelle est la situation? Vaincre Jiraim et le banni en évitant de perdre notre base, notamment par l'armée de Fai. C'est parti! A voir ça, ça me donne vraiment envie de lancer le Let's Play sur Skyward Sword sur la chaîne, hein, mais... Été 2019. Un démon passe encore, mais un monstre géant, je doute que nous puissions facilement venir à... Allez, on y va. Dès qu'on va travailler sur les bêtises sans motise et les forces des humains qui vivent. Allez, prenez le contrôle des hauteurs des ruines ou des ruines sud du rocher. Bon, autant prendre les deux. Allez, on récupère leur fort. Ça, par contre, s'il y a un point sur lequel le jeu est toujours aussi génial, c'est la musique, bordel. Bon, en même temps, faut dire que quand, comme moi, on est fan de hard rock et heavy metal, c'est sûr qu'entendre ce genre de musique, ça fait zizir. Ok, les hauteurs des ruines, c'est bon. Mais tant qu'à faire, moi je veux du bonus, je vais aller prendre le contre. Ah, bien. Les portes des hauteurs des ruines sont ouvertes. Et moi je vais aller prendre l'autre, tant qu'à faire. Et on va l'aider les coupins. Un Volga, qu'est-ce que t'en penses? Un coupin. On marque au pire. On peut y aller. On prend le contrôle d'Icero pour aller le faire. Un moment. Une suite du rocher. Allez. Ultra laser. Où est le boss du fort? Il est là. Les troupes ennemies ont vaincu le maître Stalfos. Yay! Ok, voilà. On a le contrôle des deux forts. Et je repasse sur Sia. Non, pas sur Volga, sur Sia. Bon, sur Sia. Ok, donc maintenant que c'est fait, je pense qu'on peut continuer à progresser. Hop. Tiens, il y a un affrontement au nord. On peut tataner un maître Stalfos, yeah. Nous sommes venus vous aider ensemble, éliminons ce démon et ce monstre géant. Merci, nous comptons sur vous. Donc du coup, il sera lié à nous. L'armée de la sorcière combat aux côtés de l'armée de Célestbourg. Du coup, voilà.
Faye et compagnie sont désormais dans notre camp. Et il va falloir qu'on aille tataner le banni. C'est une mort, femme, je m'en occupe. Attends. Y'a quoi là-dessous? Y'a rien d'intéressant. Eh, le Faye avance vers le banni. Eh, salut le banni. Les conditions de défaite ont changé. Faye ne doit pas ne laisser ni Faye fuir, ne pas laisser Faye fuir ni la balader tomber. Elle va filer un coup de patte. Et si on s'occupait du banni? Eh, le banni, c'est le moment de couper les ongles. Mes chances de survie sont de plus en plus faibles. Kyo Soboso Sublime Jirai, vous allez recevoir une punition des plus sévères. Tu peux t'écrouler, monsieur le banni? Ok, alors juste, il y a des gens qui avancent sur la base alliée. Volga. Non, Volga. Entre à la maison. C'est lui qui manipule le monstre géant, ne lui laisserons pas notre base. Arrêtons-le! Ok, faut éliminer Jiraim. Faye affronte le banni. Bah attends, je file un coup de patte pour le banni. Non, on va tâtonner le chef de poste histoire d'être tranquille. Je vous conseille d'éliminer le monstre géant au plus vite. C'est une mort, femme! Éliminez immédiatement le banni. Bon, charge. C'est le moment de te faire couper les ongles! Allez, coupe les ongles arrière. Attends. Allez, Faye, je viens de filer un coup de patte. C'est bizarre de lire Sia a secouru Faye quand même. Allez. Tatan time. La probabilité pour que je file le combat a diminué. Ça va être chiant quand on fera Skyward Sword quand même. Entendre Faye parler en probabilité en disant vos chances de survie sont de 12,7%. Il y a 100% de chances que les piles de votre Wiimote soient presque vides. Et il y a 100% de chances que tu me casses les couilles, Faye. Hein. On fasse gaffe quand même. Hein. Ouais, c'est le moment de te faire couper les ongles. Si quelqu'un a un coupon géant, je prends toujours. Hein. Hop, allez, tombe. C'est un ordre. Allez, est-ce qu'on peut vider sa barre de points faibles, ce serait bien. Voilà. Finish him. Not bad. Je me serais attendu à mieux. On a vaincu 500 ennemis. Ok. La bataille se déroule mieux que prévu. Continuons ainsi. Allez. Faut que je fasse gaffe à mes points de vue. J'ai préparé ma potion, moi, par contre. Il y a un maître Stalfos en plus. Allez. Ouh là là. Potion. Non. Bon, ça a régénéré les points de vie. C'est tout ce que je voulais. Allez, vas-y ma belle. Allez, tombe. C'est un ordre. On va te tataner la tronche. Au secours, envoyez quelqu'un. Ah ça va, il a quand même pris de bons dégâts. Ok, attends, il se relève. Je suis en train de... Non mais... Putain, laisse-moi rentrer. Là, mais dégage le ciblage. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux des cœurs. Allez. Ils ont éliminé Jiraim. D'abord, on élimine le banni. Eh, monsieur le banni. Ce qui reste, ok, il reste ces ongles-là. Ok, c'est bon. Ok, un dernier coup point faible et on va s'occuper de Jiraim. Mais de toute façon, ce sera trop facile, ça peut pas s'arrêter là. Ok, banni out. Je pense. Allez, plus qu'un peu, un tout petit peu de points de vie et on y est. Oh putain! Putain! Mais sors de là! Sors de là! Voici encore des points de vie dans la base. Pas de points de vie de merde. Va falloir être super prudent. Bon, on va dégager les maîtres Stalfos. Allez, un maître Stalfos de moins. Fasse gaffe. Vazeline ne doit pas tomber au maître. Bon, pire. On va switcher sur Volga. Allez, Volga contre Jirai. Hey, Jiraim, viens par là.
Je te tatane la tronche. De toute façon, je sens très bien le coup de... il va se retirer temporairement, ça a été, comme ça a été le cas pour Link, par exemple. Allez. Où est Jiraim? Il est là. Allez, viens te battre si t'es un homme. Ah, t'es rentré dans notre base, mais tu vas pas en sortir vivant, ma grosse. Ok, il est où? Il est là. Non. Aïe, 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 relève-toi, 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 mon gars. Ok, Jiraim down. Ok. Bon, on va s'occuper du banni. Donc en plus, le banni, il reste que dalle comme point de vie. Ok, Jiraim va temporairement en retraite, c'est plus ou moins ce que je pensais. Bouge, 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 marrant. Ok, il tombe, on l'élimine. Bah vraiment grand? Qu'est-ce que t'en dis? Ok, le banni est down. Ok, on a battu les deux gros monsieur. Y'a plus personne, mais je sens un énorme piège. Comment je fais pour ne pas vous reconnaître? Très bien, gente sorcière, je suis à votre service. Ça sent le gros traquenard. Y'a plus qu'une seule armée. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais ça, si j'ai dit de son plein gré, tu parles d'un lâche. C'est un piège, c'est un piège, les doudes. Maintenant que j'ai dompté le démon, les humains qui vivent sur cette terre ne me sont plus d'aucune utilité. Ah, d'accord. On se retourne contre Faille, Follet. Ok, on se retourne contre Faille. Attends. Faille? C'est... Bah écoute, elle est là. Je pense que le prochain outil, ça va être de lui tataner la tronche, donc autant faire ça tout de suite. Ne pas laisser la base aller tomber. Éliminer Faille. Faille se replie dans la base tierce. Ok. Je détecte une âme maléfique à l'intérieur de la sorcière. Cette cible doit absolument être absolument détruite. Faille gagne en puissance. Je suis pas d'accord. On dirait que c'est détruit tous les humains. Si on parvient à le vaincre, on sera débarrassé d'eux. Éliminer Faille. Bah ben ouais, c'est ce que je faisais. L'armée de Célestbourg a reçu des renforts. Les portes des forts de l'armée de Célestbourg sont ouvertes. Ok. Je vais commencer par la statue parce que je suis juste à côté. Alors aussi c'était des ennemis. Protégeons ces terres. Tous à l'attaque. Ok, level up pour Sia. Ok, le moral avant. Ok, bon de toute façon, tant qu'on laisse Volga en défense, on est tranquille. Et autant ceux-là sont à nous. Eh hey, les dudes. Les forts de la statue. Prenez le contrôle de trois forts. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Ok, je suis en train de me dire, Isero sert un peu à quelque chose, mon rang. T'es où? Va prendre la fontaine de la déesse. Volga, reste en arrière. On sait jamais qui tente une offensive quand on est dans le dos. Et mise une force, dans ce cas, profitons-en, leur base est certainement moins protégée. Capitaine de Célestbourg avance sur la base alliée. C'est exactement pour ça que j'ai laissé Volga derrière. Ok, fort de la statue, c'est bon. Je suis en train de me dire, je vais passer filer un coup de main à Isero. Quelle dextérité, jeune sorcière, mais ça ne m'étonne guère venant de vous. Tu le sens, le piège à con? Tu le sens, le Jiraim va se retourner contre nous et va dire, ah, en fait, il faut que tu me tatanes. Les preneurs de fort rejoignent le champ de bataille. En avant! Récupérons ces terres. Eh, le preneur de fort, je t'ai donné l'ordre de faire des trucs, non? 5 preneurs de fort à tataner. Ok. Bon, on va s'occuper d'eux. Non, Volga, tu restes en arrière. Ok, y a un boss du fort qui est apparu, il est là. On y met à temps de contrôle des forts de l'armée de Célestbourg. Je vais venir... Oh, puis en plus de ça, un trésor. Quel était où? J'ai une arme scellée. Un quart de cœur. Yay! Non, eh oh! Ok. Isero, viens me filer un coup de main. Tu vas aller prendre ce fort. Au pire, on va s'occuper des preneurs de fort. Volga, fais le preneur de fort qui est. Non, Volga. Volga!
Voilà, la preuve de force qui est là, de toute façon je vais aller filer un coup de main. Morale de l'armée de Célesbourg baisse, yes. Ravitailleur apparaît avant sur l'école de chevalerie. Et vous, amenez ça sur le front, aidez cette jante sorcière. Oh, c'est gentil ça. Ok, les preneurs de force sont là. Allez, on va aller tataner. Ok, on en a buté un. Et l'autre est là. Ok, un de moins. Hop, voilà. Escortez le ravitailleur jusqu'à l'école de chevalerie. Alors attends, le sultan est apparu sur le champ de bataille. On va voir ça s'il est près de la base. On tamponne un peu la nouille là. Ok. Celui-là il est à nous. Non, il est pas à nous. Si, si, quoi. De toute façon, il faut que je passe parce qu'il y a les preneurs de fort, faut que je m'en occupe. Il y a le contrôle de 3 forts. Attends, les preneurs de fort, ils sont où? Ah, on a perdu le fort ouest du bon, c'est pas grave. Parce que je vais le reprendre. Puissantes troupes sont apparues avant sur la base. Les preneurs de fort ici. Non, tes troupes n'avanceront pas. Ok, on a vaincu un preneur de fort, on va tataner le boss. Voilà, le fort est à nous, il resterait pas un preneur de fort dans le coin? Si, c'est bon, on les a tatanés. Ok, faut qu'on prenne le contrôle de 3 forts maintenant. Attends, il y a le ravitailleur avec qui on peut aller filer un coup de main. Mais tout ce que vous pouvez faire, vous restez faible malgré votre acharnement. Le ravitailleur est pas par ici. Troupes ennemies, on fait fuir Jirai, mais merde. Eh bah, barre-toi. On peut tataner un capitaine. Ok. Ok, allez, le ravitailleur, tu y es. Attends, Isero, qu'est-ce que tu fous? Il est où? Il est là, il est là. Isero, va prendre le forest du bourg. Ok, le ravitailleur, c'est bon. Il a atteint son objectif. Bon, bah, je vais partir vers le fort, filer un coup de patte. Il a placé une bouteille de magie et quitte le champ de bataille. Ok. Très bien. Allez, direction le forest du bourg, on va aller le prendre à deux. On y va. Ça maintenant après, on va pouvoir lancer une offensive sur la base de. Sur la base tierce. Allez, on va faire baisser cette barre, la suite est sortie. Ce qui compte vraiment, c'est remporter la victoire. Hein. La sculpture, on va dire, c'est vraiment son ouvert. Qu'est-ce que de chute de hauteur d'Hermina? Non. Hein. Où est le boss du fort? Il est là. Donc on a pris le forest du bourg, du coup ça fait 3 forts, c'est bon. Ok. Est-ce qu'on peut avancer sur la base de faille? Moi je vais le faire. Je constate une diminution des forces de l'armée de Célesbourg. Faille perd en puissance. Coucou! De l'armée de Célesbourg baisse. Eh ben, on va les miliner. Allez, un petit coup fatal des familles. Bon, je suis d'école de chevalier, c'est pas grave, je suis en mission tatane et faille. Elle est où? Elle est là. Une troupe alliée a vaincu un capitaine de Célesbourg. Yes! C'est bien. Allez. Je vais libérer ma puissance, on va taper 2-3 coups. Et allez, on libère le fauchage. Ok, faille est-elle presque. Bon, ma mission accomplie, c'est terminé. J'en étais sûr que si on bourrinait faille, ça finirait. À présent, les terres célestes sont à moi. Laissez-moi me charger de la conquête de ces terres. Un héros finira par apparaître, c'est certain. J'attendrai ce moment. Et encore une victoire de canard. Ben c'est mauvais, le gars, il n'a plus beaucoup de points de vie. Oh, ça va, non, il avait l'air de gérer. Bon, et ben voilà qui est fait.
D'ailleurs, je crois qu'il reste plus qu'une seule bataille dans l'histoire de Sia et on l'a terminée, si je dis pas de bêtises. Et il reste aussi un chapitre dans l'histoire de Linkle. Et encore une histoire secondaire qui se débloque quand on aura fini le jeu. Et il y a 4 batailles. Donc voilà, 1438, 1845 kills. Tranquillou. Sia est monté niveau 20 quand même. Hein. Donc un grimoire de l'esprit attaque forte 3 pour Lana. Un sceptre du temps pour Sia. Une épée de chevalier élément lumière pour Link. Une bague bleue attaque forte 2 pour Isero. Et un grimoire de l'esprit étoile plus pour Lana. Nous avons un bouclier de capitaine d'Hyrule. 2 talons de faille. Une grande écaille du banni. 10 gantelets de capitaine d'Hyrule, 1 carpe de maître Stalfos, 8 habits de soldats et 10 dents de monstres. Est-ce qu'on a une nouvelle bataille avec Sia ou pas? Ouais, la lumière perdue à jamais, donc les gorges de l'Anel, on l'a fait plus ou moins de tous les côtés. Je pense qu'il serait sage de terminer l'histoire de Sia avant de se lancer dans l'ultime chapitre. Donc, je sais que j'avais dit que j'alternerais avec les batailles de Sia, mais je pense que demain, on va faire la lumière perdue à jamais, qui est le cinquième et dernier chapitre de l'histoire de Sia. Et je pense qu'une fois après ça, donc du coup samedi, parce que je vous rappelle qu'il y a un épisode bonus cette semaine et la semaine prochaine pour qu'on puisse terminer le let's play une semaine plus tôt et avoir 5 créneaux de plus pour le nouveau let's play. Je pense que samedi, on s'occupera de Link au désert Gerudo. De toute façon, ultime chapitre, je crois qu'il reste encore 2 batailles dans l'histoire principale, il y en a 18, donc on peut faire le compte vite fait, mais normalement il y a 18 batailles, 1, 2, 3, 4. Donc 2 par époque, on a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc si on compte l'histoire principale, vraiment l'histoire principale, cette bataille-là, c'est l'ultime, c'est l'avant-dernière bataille. Mais bon, juste m'occuper des trucs secondaires entre-temps, donc on fera d'abord la fin de l'histoire de Sia. Mais allez, je vais arrêter de parler dans le nimp. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Hyrule Warriors. J'espère que ça vous a plu, quel que soit votre avis. N'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Si non plus, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite notification, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails avec les hashtags aussi, vous connaissez la musique. Et donc en attendant la suite et la fin de l'arc d'histoire de Sia aux gorges de l'Anel. Et bien je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens, ne changez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !